Beau matin à toutes et tous, on se retrouve pour le message de ce jeudi 16 novembre 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, j'ai le choix de nourrir le positif en moi ou de nourrir le négatif le plus fort et celui que je nourrirai le plus. Eh bien aujourd'hui, j'ai pigé le père de l'air. Eh bien cette semaine, j'ai pigé beaucoup de fois le père. Je pense que c'est le troisième père que je tire pour cette semaine. Le père de l'air, tout ce qui est air, puisque là on voit, sont des plumes, hein. C'est tout ce qui est dans l'air, c'est le mental, le spirituel, n'est-ce pas? Oui, voilà, c'est le mental, le spirituel. J'ai pigé donc le père de l'air et l'essence de cette carte, de cette lame, c'est la force spirituelle, n'est-ce pas? Comme il est indiqué sur la carte, c'est la volonté, une sûreté, avoir la volonté du but final, avoir une large vue sur les choses, une clarté mentale aussi, hein, et aussi l'intelligence, l'intellect. Par contre, côté négatif, ça pourrait être trop cérébral, n'est-ce pas? Ce message intérieur, dans votre fort intérieur, eh bien, faites confiance à vos points de vue intérieurs. C'est vous qui savez le mieux ce qui est vrai pour vous et ce qui ne l'est pas. Ce ne sont pas les autres, n'est-ce pas? Ne vous distancez pas plus longtemps des choses qui peuvent être réglées de manière simple. Vous savez, vous possédez la force mentale et spirituelle pour influencer des changements positifs dans votre vie. Trouvez, eh bien, votre centre spirituel et ajustez-le à la force de votre cœur, car c'est là, n'est-ce pas, la force de votre cœur qui concède ses ailes à votre esprit. C'est important. Vous savez, la spiritualité, ça ne veut pas dire aller à l'église tous les jours. Pour moi, la spiritualité, c'est quoi? C'est devenir meilleur de ce qu'on est. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. C'est devenir meilleur. Approfondir ses qualités. Transcender ses qualités. Ces distorsions, améliorer nos qualités, ça c'est la spiritualité pour moi. Bien sûr, on a un créateur, mais pour moi la spiritualité, c'est toutes les ce qu'on dit sur le créateur, c'est être meilleur. On est venu ici sur Terre, pourquoi? Pour expérimenter et pour rectifier nos erreurs de nos vies passées, de cette vie ici. Devenir meilleur, c'est ça pour moi la spiritualité. La manifestation extérieur, eh bien, on vous invite à utiliser en toute conscience votre intelligence naturelle
à des fins positives. Vous avez une vue large ainsi que la clarté nécessaire pour atteindre, eh bien, le but auquel vous vous êtes fixé, que vous aspirez. Mais poursuivre une chose pour son propre avantage ne suffit plus. Vous apprenez à présent à manipuler vos dons. Et pas que, vos talents, de façon plus consciente et donc plus respectueuse. Pour certains d'entre vous, la passion est votre aspiration intérieure à agir de manière bonne et juste. Et c'est ainsi que dans votre vie extérieure, un grand ressentiment sera fait mêlé de reconnaissance. C'est une très très belle carte, n'est-ce pas? Voilà, toujours essayer au mieux de faire, de ne pas blesser les autres, de ne pas avoir de jugement, parce que nous ne sommes pas ici pour juger. Ce n'est pas notre rôle. Nous pouvons émettre une opinion, mais nous, ce n'est pas à nous de juger. Donc voilà. Améliorer nos qualités et nos vertus, ça, c'est un bon remède, n'est-ce pas? Allez, je termine avec l'oracle de l'évolution aujourd'hui. Ah, pas besoin de tout savoir à l'avance. Reste dans ton présent et regarde tout ce qui, de ce qu'il y a à vivre. N'hésite pas à expérimenter. Donc, je répète, pas besoin de tout savoir à l'avance. Reste dans ton présent et regarde tout ce qu'il y a à vivre. N'hésite pas à expérimenter. Bien voilà, oui, nous sommes ici pour expérimenter, n'est-ce pas? Allez, je vous souhaite une excellente journée, puis on se retrouve demain pour le dernier message de cette semaine. D'ici là, portez-vous bien, je vous embrasse, à demain.